Ruth Morgan, allez, Iden, l'étude aujourd'hui, le Lenishmat, Amramina ben Chana, Bigi bat Esther, Nissim ben Ahuda et Sarah bat Chana Rachel. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah connectée à la communauté éternelle, nous étudions le Sefer Tamid Azara, Perek He, Mishnah Zain, Omanin, Shel Israël, Shishalach Lahem Nochri, Chavit Shel Yain Nesech Bisharam, Mutarim Lomar Lotan Lanouet Damea. ואם מי שנכנסה לרשותן, אסור. המוכר ינו לנוכרי, פסק עד שלא מדד, דמיו מותרים. מדד עד שלא פסק, דמיו אסורים. נטל את המשפך ומדד לתוך צלוחיתו של עובד כוכבים, וחזר ומדד לתוך צלוחיתו של ישראל. אם יש בו עקבת יין, אסור. המערה מכלי אל כלי, Et chéra mimenu mutar, et chéra letocho asur. On commence avec le premier cas de la Mishnah. On parle de Umanin shel Israël, des employés littéralement d'un juif. Il y a un problème, le mot shel, il faut le supprimer selon plusieurs avis. C'est plus pratique de ne pas le lire. Le principe sera le même, même ceux qui disent qu'il faut le dire et qu'il faut le compléter, c'est le mot shel, ils vont interpréter de la même manière la Mishnah. Concrètement, on parle de Umanin Israël. On parle qu'il avait des employés juifs. Shishalach lahem nochri, que un goy leur a envoyé en cadeau, en supplément du salaire, chavit shel yain neser bischaran, un tonneau de vin, de yain neser qui appartient à un goy qui est interdit, bischaran, en guise de salaire. J'ai travaillé chez le goy, j'ai fait plusieurs travaux, et maintenant, parmi l'argent qu'il me doit, il va m'envoyer un très gros tonneau de vin. Le problème, c'est que le vin du goy, il est yain neser. Et la question de la Mishnah est de savoir, est-ce que je peux lui dire, non, donne-moi plutôt à la place de l'argent, je préfère ne pas prendre de l'argent plutôt que le yain neser, que du vin, ou non. C'est-à-dire, si, il y a un problème technique, c'est que finalement, si je suis devenu possesseur du tonneau de vin, il s'avère que maintenant, je vais lui convertir le vin en argent, je vais lui revendre le vin pour qu'il me donne l'argent. J'ai pas le droit de profiter du yain neser, non, même pas de le vendre. Alors, la Mishnah m'enseigne comme ça. Mutarim lomar lo ten lanu et damea. Ils ont le droit de lui dire non, donne-nous plutôt la valeur du tonneau plutôt que de nous donner le tonneau. Avant même que l'on saisisse le tonneau, donne-nous sa valeur. Par contre, veim mishenichnesa lirshutan. Par contre, une fois que le tonneau est déjà arrivé dans leur domaine, c'est-à-dire, il précise, le Tosot Yom Tov, il parle qu'ils l'ont déjà accepté, ils l'ont déjà pris en tant que salaire, après ils disent, mais non, le vin, il y a une SR. Ils ont rappelé le logo, ils ont dit, donne-nous plutôt la valeur du tonneau, alors à source, ce sera interdit. Le principe, il est très simple, comme ce qu'on a dit, on n'a pas le droit de vendre du yain SR. Donc si je dois recevoir mon salaire, j'ai le droit de lui dire, non, paye-moi en argent, paye-moi en me donnant des légumes, mais sûrement pas, je refuse que tu me payes en me donnant du vin. Mais une fois que j'ai pris comme salaire, j'ai déjà réceptionné le tonneau avec intention de devenir possesseur de ça, de le faire entrer dans ma possession. Et puis après, je réalise qu'il y a un problème. Alors là, il s'avère que maintenant, le vin, il a été donné en tant que salaire et je l'ai acquis. Je suis devenu possesseur. À présent, je veux le revendre et j'ai plus le droit de le revendre. Donc, j'aurais perdu mon salaire. Il faudra détruire ce vin. D'accord ? On passe à présent dans un deuxième sujet. Amocher yeno le nochri. Celui qui vend son vin du vin à un goy. La Mishnah m'enseigne comme ça. Pasak at shalom adad, s'il a fixé le prix avant de mesurer, damav mutarin, on aura le droit de recevoir le prix du vin. Tandis que madad at shalom pasak, s'il a d'abord mesuré et seulement après il a fixé le prix, damav asurin, la valeur du vin sera interdite. Et on explique, ça sent beaucoup pour ceux qui se souviennent dans Bavatra, il y avait le même principe qui apparaissait. On explique très brièvement, lorsque j'achète quelque chose, j'achète du vin, un liquide, une denrée, alors il faut, bien sûr, il faut fixer le prix, et à part ça, mesurer, pour savoir combien est-ce qu'on va me donner, combien est-ce que je vais devoir d'argent, et puis après je prends le tout et je le tire, je fais ce qu'on appelle la meshicha. Je deviens concrètement possesseur depuis le moment où je suis mocher, où je tire. On apprenait ça dans l'Inchot Kinanim, dans ma Bavatra essentiellement. Pour devenir possesseur d'un tonneau de vin, je dois le tirer, le déplacer de sa place.
Ça se passe comme ça maintenant. Il y a un problème technique. C'est que lorsque je vais vendre, moi, du vin à un goy, alors il faut faire attention à ce qu'ils me doivent la valeur du vin avant qu'il ait le temps de le rendre à Yaïnesser. Parce que s'il devient possesseur, d'abord je parle en théorie, théoriquement, s'il ne rentrera en sa possession qu'après qu'il ait eu le temps de le... qu'il ait déjà rendu à Yaïnesser du vin interdit, alors je ne pourrai pas recevoir le salaire. Imaginez par exemple qu'un goy, il est intéressé à acheter un tonneau. Et puis, il met d'abord sa main dedans, et après il veut me le payer. C'est trop tard, parce que depuis le moment où il a mis sa main dedans, il a rendu à Yaïnesser. Et maintenant, ce vin-là, j'ai un devoir de le détruire. Je ne pourrai plus recevoir la contrepartie de ce tonneau. Je n'ai plus le droit. Alors, ce qui se passe maintenant, la Mishnah m'enseigne comme ça. Sache que lorsque tu vends, d'abord, je redis le principe général. Lorsque tu vends, veille à ce que le goy acquiert le vin avant qu'il n'ait le temps de le rendre interdit. Parce que s'il ne l'acquiert qu'après l'avoir rendu interdit, tu ne pourras plus recevoir le salaire. Concrètement, comment ça s'exprime? C'est très simple. Lorsque je vais vendre du vin au litre, par exemple, alors il va falloir tout d'abord fixer le prix au litre, et puis ensuite mesurer que je lui donne, s'il veut 3 litres, je lui donne 3 litres, 4 litres. C'est ce qu'on appelle Passac, fixer le prix, et Madad, mesurer. On a une grande règle qu'on apprenait dans Bava Batra, c'est que si n'importe quelle personne qui vient acheter chez moi, il va vouloir 3 litres d'huile, je vais lui remplir 3 litres d'huile, je lui donne les bouteilles, il les porte, il les met déjà dans son coffre de voiture, mais on n'a pas encore fixé le prix au litre. Et bien concrètement, d'un point de vue Choshen Mishpat, il n'a pas encore acquis l'huile. Étant donné que si finalement, au lieu de lui sortir le 20 shekels au litre, je vais lui sortir 42 shekels au litre, il ne va plus vouloir l'acheter probablement. Donc ça signifie qu'il n'y a pas eu de Gmar Kinyan. L'acquisition n'a pas été concrétisée, terminalisée, n'a pas été terminée, Bikitsour. Elle n'a pas été achevée, finie, depuis le moment où il a pris, il l'a mis même dans sa voiture, jusqu'au moment où je vais fixer le prix. C'est impératif de fixer le prix auparavant. Et c'est ce que la Mishnah m'enseigne. Si Passac Hachelo Madad, il a fixé le prix avant qu'il le mesure, et donc la suite logique elle est que maintenant je vais mesurer le vin, et il va le prendre, il va d'abord le tirer pour le faire, l'amener dans sa voiture. Et une fois qu'il va maintenant commencer à le tirer, alors là il risque de mettre la main dedans et de le rendre interdit. Là c'est une vente parfaite, parce que la vente a été conclue avant qu'il n'ait le temps de le rendre, il y a une nécessaire de le rendre interdit en mettant la main dedans. À la différence du cas où justement, Madad Hachelo Passac, on a déjà mesuré, on a déjà embouteillé, fermé les bouteilles, transporté dans la voiture, maintenant on n'a pas encore fixé le prix. Donc Madad, il a mesuré, et donc s'il a mesuré, c'est qu'ensuite il l'a pris pour ensuite le déplacer. Hachelo Passac, tandis que le prix n'a pas encore été fixé, établi. Donc Dama Vassourine, la valeur de ce vin sera interdite, puisqu'il sera encore dans ma position lorsqu'il est devenu interdit, je pourrais plus en tirer profit en se vendant la contre-valeur. Continuons ensuite. Slochito, alors maintenant on va parler de Ta'arovet de Yain Nesser, un sujet qui va réapparaître dans les prochaines Mishnayot assez fréquemment. Là on va l'introduire avec tout d'abord une Ta'arovet. Il faut savoir un mélange de Yain Nesser. Un petit peu de Yain Nesser qui va tomber dans plein de vin, ça va interdire quelle que soit la quantité de vin. On aura l'occasion de le reprendre plus longuement, déjà dès la prochaine Mishnah. On le reverra encore même dans Mishnah Tet, ce sera évoqué encore plus enfin. Le Yain Nesser, à la différence d'abord des liquides, comme ce qu'on apprendra, à la différence des autres liquides, lorsque j'ai du liquide interdit, n'importe quel liquide interdit que ça pourrait être, en général, on dira toujours Batel Beshishim, si c'est Min Benomino, une espèce dans une autre espèce. Et si c'est Min Bemino, alors aussi on dira aussi 60, parfois on sera même plus permissif. Mais il faut savoir, le Yain Nesser, c'est une exception, où c'est tellement grave comme interdit, une petite goutte interdit une très grande quantité. Même une toute petite goutte va m'interdire un tonneau entier. Si un tonneau entier, il a une petite goutte de Yain Nesser, tout le tonneau va être interdit à en tirer profit. On apprendra concrètement qu'il y a éventuellement lieu de contourner, selon le cas. La Mishnah, pour le moment, ne va pas évoquer cette solution, sans soit une question. La Mishnah tend à interdire complètement dès qu'il va y avoir une petite goutte. Maintenant, la Mishnah va pousser le cas encore plus loin. Imaginez que pour verser le vin du tonneau jusqu'à la bouteille ou la petite cruche, il va falloir mettre un entonnoir. Il arrive que parfois l'entonnoir, il garde une petite goutte de vin de Yain Nesser. Et bien imaginez comme ça, la Mishnah va m'enseigner, on va leur donner le mot tout de suite, si je prends un entonnoir où il y a là-bas une petite goutte de Yain Nesser, que je prends 20 litres de vin cachère et que je vais le verser dessus,
Ben, chaque vin qui va venir, il va toucher cette petite goutte, il va être interdit, même si la goutte elle est peut-être éventuellement descendue, mais le vin qu'il aura touché sera lui-même devenu interdit, il aura laissé lui-même sa goutte, et ainsi de suite. Donc les 20 litres que je vais sortir, que je vais faire couler par cet entonnoir, seront toutes interdits, Mishum Yain Nesser, tel que la Mishnah enseigne, il faudra le détruire même, ce vin. On le fait dans les mots, Natal est un mashper. Il a saisi le mashper. Le mashper, c'est celui qui fait couler, mais la journée shpor. Ça veut dire c'est l'entonnoir. Il a saisi l'entonnoir pour transvaser du tonneau jusqu'à la petite cruche ou madad et il a mesuré les tortes l'orito shalovet kochavim. Il a d'abord, tout d'abord initialement, peu importe qui a fait cet acte, il a pris du vin du goy et il a mesuré avec cet entonnoir. Et puis ensuite, les chazar ou madad et les tortes l'orito shel Israël. Alors que cet entonnoir il était encore mouillé, humide avec le yain neser qui lui a coulé dedans, il a ensuite repris, utilisé pour verser du vin maintenant dans un tzluchito shel Israël, dans une tzluchit d'un juif, dans une cruche d'un juif. La Mishnah m'enseigne, « Im yesh bo akevet yain » S'il y a dans cet entonnoir un petit endroit où il y a une petite goutte qui peut rester sur place, c'est pas juste une petite humidité sur les parois, mais c'est qu'il y a une petite goutte concentrée quelque part. Alors, assour, cette petite goutte-là va pouvoir interdire tout le vin que je vais verser. Ok ? C'est clair ? Puisqu'il y a une petite goutte qui est là, dès qu'il va y avoir les premiers millilitres qui vont tomber dessus, ces millilitres-là, ils vont eux-mêmes devenir interdits parce qu'ils sont en contact avec le INSR, et ensuite le vin qui va continuer à venir, il va lui-même devenir interdit, et ainsi de suite. Donc tout ce que je vais verser va être interdit à cause de l'INSR. Ok ? Améare, donc ça c'est Imeshbo Akevet Yain, Asur. Maintenant, dernier cas de figure de la Mishnah, Améare mikli elkli, celui qui verse d'un ustensile à un autre ustensile. Soit, on parle en réalité que j'ai un tonneau et je veux verser dans un autre tonneau la moitié de ce tonneau. D'accord ? Un tonneau et une grande cruche. Et je veux verser de ce tonneau jusqu'à la cruche. Alors la Mishnah m'enseigne, ben sache que Améare mikli elkli, mikli elkli. Celui qui va verser, transvaser d'un ustensile à un autre ustensile. Ça peut même être deux verres, le principe sera le même. Et avec du vin de Yain Nesser qui se trouve dans le verre qui reçoit. Et chera mimenu mutar, le vin que je vais garder dans la main à partir duquel j'ai versé, lui il sera permis à la consommation. On aura le droit de le boire même. Tandis que et chera letocho, tandis que le vin sur lequel il a versé, alors là-bas, il sera interdit. Je reprends, je récapitule le cas. On ne parle pas forcément avec l'entonnoir. Le principe sera le même de toute façon. J'ai deux bouteilles. Une bouteille de vin cachère, une bouteille de vin d'un goy, où il y a là-bas un reste de vin, une bouteille vide, mais il reste quand même une petite goutte de vin, par exemple. Et je vais vouloir maintenant lui verser pour lui donner ce vin et qu'il le boive lui-même. La Mishnah m'enseigne comme ça. Elle me dit, si, lorsque... Alors, petite pause, je vous apprends la règle du Nitsok Chibur. Jusqu'à maintenant, on a évoqué qu'il y a une petite goutte de vin qui se mélange dans le tonneau et qui va rendre interdit tout le tonneau. Et bien maintenant, on va apprendre une autre notion qui s'appelle le Nitsok Chibur. Nitsok, lorsque tu verses, c'est considéré comme un Chibur, c'est un contact. Dans les lois de Touma Vetara, ça se retrouve essentiellement. Et là, dans Yain Nesser, on l'utilise même pour permettre ou interdire plutôt du vin. Si je verse, vous allez comprendre tout de suite, si je verse, je lève ma main à 1 mètre de la bouteille et je verse du vin sur une bouteille où il y a dedans du Yinesser. Lorsque le vin va arriver en bas, il va s'avérer que maintenant, le vin va entrer en contact avec du Yinesser. Je ne vais pas dire que le vin qui est interdit à la consommation, ce n'est pas que le vin qui se trouve dans la bouteille, c'est tout le vin qui est en contact. Et en réalité, même, c'est même le vin qui se trouve aussi dans la bouteille qui verse. Tout est devenu, c'est-à-dire, même si je vais après arrêter mon geste, je vais garder la moitié de la bouteille, puisque ce vin qu'il y a dedans, il a été en contact avec du Yain Nesser. De quelle manière ? Par le Nitsok Ribour. Le fait que lorsque j'étais en train de verser, alors c'est entré en contact avec la bouteille qui était en dessous, tout devient une seule entité, et tout devient interdit à cause de Yain Nesser. Maintenant, on va faire ça dans les mots de la Mishnah, vous allez voir que c'est pas écrit exactement, et on va bien sûr arranger le mot. Améare mekli elkli, celui qui transvase d'un ustensile à un autre ustensile, d'une bouteille à une autre bouteille. Etcher amimenu mutar, la Mishnah m'enseigne, celui qui l'a gardé dans la main, lui, ce vin-là, il sera permis à la consommation, c'est
pas exact, on va préciser de quel cas elle parle exactement la Mishnah, tandis que Ve'et She'era Letocho Asur, tandis que le vin qu'il est en train de verser en ce moment dans la bouteille qu'il reçoit, il est interdit. L'Agma explique, on ne parle pas que du vin qui est arrivé dans l'ustensile, mais même tout le vin qui est en contact à cause de Nitzok Ribour. D'où la question. Si tu dis Nitzok Ribour, Nitzok, c'est-à-dire le fil, lorsque tu verses, ça prend une allure de fil comme ça, le flot, je ne sais pas comment dire, bref, Nitzok Ribour, ça fait contact. Les Chaber, c'est-à-dire communiquer, toucher les choses, donc ça fait contact. Alors là, maintenant, il y a un problème, c'est que si je verse de la bouteille sur du Yain Nesser, alors là, ça fait Nitzok Ribour, tout de l'interdit. Or, la Mishnah me permet le vin qui reste dans la bouteille. L'Agma explique qu'en réalité, on parle du chaos. J'ai versé, mais avant que ça arrive en bas, j'ai relevé la bouteille. Donc là, maintenant, on va se retrouver avec... J'ai fait un petit coup comme ça en l'air, et elle est en train de se reverser, de se verser d'un coup. Du coup, j'ai interrompu le contact entre le vin qui est en train de couler, qui est déjà sorti, qui est en train de tomber de la bouteille, et la bouteille elle-même. De ce fait, lorsque le vin va devenir interdit, alors il n'a pas de raison d'interdire le vin qui se retrouve dans la bouteille. Tandis que si je verse doucement, doucement, et qu'il va y avoir un contact entre le Yain Esser qui se trouve au fond du kli, au fond du kli, de l'ustensile qu'il reçoit, et il va être en contact avec le vin qui se retrouve dans la bouteille de laquelle je verse, alors tout le vin qui sera dans la bouteille sera interdit à la consommation à cause de Nitzok Ribour. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. Salam.